Bonjour à tous, c'est WMB73, donc dans la dernière étape des Pyrénées, bannière de Luchon-Péragude. Donc on se retrouve au pied du port de Balès, donc avec Bradley Wiggins toujours. Et donc c'est la dernière chance de gagner du temps sur Evans et Schleck, surtout sur Evans. Donc on va tenter une offensive. Hein. Donc là je vais prendre. Voilà, donc à chaque nouvelle séquence, c'est séquence jouable, vous pouvez rajouter un protecteur en fait. J'ai besoin que tu me protèges. Ok mec. Donc là je l'avais fait depuis le début. Au moment du sprint, j'avais quatre protecteurs. J'avais un vrai bouclier autour de moi. Donc pour essayer, c'est assez marrant. Donc si vous voulez rajouter dans la même séquence, le deuxième va vous dire il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe ou des trucs du style. Par contre, de séquence en séquence, vous pouvez en rajouter un. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau du sprint, ça fait une espèce de reset. Tous les coureurs se sont retrouvés à... vous avez carte blanche. Donc il n'y avait plus de protecteur. Donc je suis reparti de zéro. Donc j'avais mis Froome, et puis là j'ai rajouté Oran. Mais bon. Alors je sais pas s'il y a cette espèce de reset à chaque étape, mais... enfin bon, au niveau du sprint, ouais, j'avais 4 boucliers. Là ça m'encerclait, c'était assez rigolo. Donc d'où pouvait venir le vent, j'étais protégé. J'avais pas besoin de me soucier de savoir d'où il venait pour me mettre à gauche, à droite, etc. Bref, on va commencer cool. Et puis on va augmenter le rythme. Il est où, Ran? On va augmenter le rythme progressivement. Donc il y a encore du beau monde là. Hein. Donc il va falloir écrémer tout ça. Voir semer tout ça. Donc là il y a encore peut-être 2 ou 3 km tranquillou. Et après il restera 11 km d'ascension. Très irrégulier, hein, ça a des portions à 5%, des bons petits replats finalement, et des portions à 14-15. Donc en ravitaillement, moi j'ai pris une banane au début de l'étape parce que j'avais une barre verte pas terrible. J'avais quand même pas mal de fatigue après l'étape de Pau Bannière de Luchon. Et donc là il me reste 2 abricots que je vais essayer de garder pour la dernière ascension parce qu'ils ont quand même tendance à être assez costauds, Evans et Schleck, dans les dernières ascensions. On a pu voir ça dans Péragude dans l'étape d'hier. Donc j'attends que ça commence. Voilà, c'est pas parti, il y aura encore un replat derrière. Accélérer progressivement. Donc les Radio Shack, ils sont toujours 25 000, exactement 6, contre 2 petits Sky, Froome et Oran. Là ça va partir, voilà, 12 km du sommet, et ça part dans 1 km. Bon, ça part pas forcément super fort. Hein. Ça doit partir à 6-7 je crois.
ça suit tranquille là, mais c'est normal. Voilà, 11 km c'est parti, donc voilà, 6-7%. On rajoute un poil. On va essayer les crescendo comme ça. Les radios chacun, c'est impressionnant là. Zubeldia, Montfort, Frank Schleck, Claudel. Maxime Montfort, connu pour les intimes, avec minime plus faible. Je l'aimais bien celle-là, c'était pas mal. Enfin, j'ai osé la faire. Bref, bon, ça commence à... On va faire un petit coup en plus encore. Hop là. Voilà, très bien. 165, 166, ça va faire. Et quand Rennes sera cuit, ce qui va peut-être pas tarder. À 170, voilà, c'est-à-dire maintenant. Froome, s'il pouvait dynamiter tout ça, ça serait sympa. Allez Christopher. Être un rythme correct. Bon, c'est que dalle comme rythme pour Schleck et Evans, mais bon. Il y a 2-3 coéquipiers qui sautent, ça serait pas mal. Ah, Froome s'énerve. De s'échapper. Petite attaque là. Hein. Les Radio-Shack me prennent la tête là. Hein.
on va gérer ça juste pour vous. Ils vont quand même s'épuiser les Radio Shack là. Enfin, moi aussi je m'épuise, hein, ceci dit, mais bon. Il y a encore un bon paquet de coureurs là. Hein. Et puis ils font le forcing pour nous rattraper, hein. Ils ne laissent pas partir. Hein. Il va falloir tout le temps là. Là parce que